Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des deux nouveaux appareils de Nikon, donc le Z6 II et le Z7 II. Donc, c'est des refresh justement de leurs anciens appareils Z6 et Z7. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si justement Nikon a réduit son retard sur les autres marques ou si il continue toujours de couler et de ne pas être, on va dire, au même niveau, parce que on va dire que depuis que on est passé à l'hybride, on va dire. Pour moi, Nikon est un peu du mal, là, je pense, c'est un peu rentré en dessous des autres marques, alors que c'était pas le cas au temps du réflexe. Donc, on va commencer déjà par l'esthétique. Alors, c'est exactement la même chose entre celui de l'année dernière et celui-là. Donc, bon courage pour faire une différence. Pareil pour les boutons, hein, donc on va dire en gros là-dessus, ils sont pas foulés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est concevable. Si en échange, ils font un prix, justement, on va dire honnête, à dire, et restreint, parce que s'ils gardent les mêmes boîtiers que l'année dernière, que les anciens, c'est que la coûte de fabrication doit coûter moins, parce qu'au bout d'un moment, ça amortit, je pense, hein. Quand on produit toujours le même boîtier, à mon avis, ça doit coûter moins cher au bout d'un moment. Donc la première rénovation, en fait, c'est d'enfin l'ajout d'un port SD. Donc ça, on va dire, c'est limite s'ils auraient dû le faire dès le début, parce qu'ils avaient que mis du CF Express. Et pour moi, je trouve ça limite honteux de mettre d'exiger du CF Express sur des appareils qui coûtent, on va dire, aux alentours des 2000 euros de base. Parce que quand on achète un appareil de 2000 euros, je suis pas sûr qu'on a envie de mettre des cartes à 300 euros et de limite à la fin que l'appareil, si on veut le faire fonctionner, nous coûte plus cher que ce qu'il nous a coûté. Encore sur le Canon EOS R5, je comprends parce que c'est un appareil qui coûte très cher qui est très haut de gamme et qui, voilà, qui a fait de la 8K, donc je comprends qu'il y a besoin de ça. Mais là, il n'y avait aucune justification pour de la 4K 60 fps de demander une norme aussi élevée. Donc là, je sais pas s'ils n'avaient pas signé un partenariat avec les fabricants qui font ça, mais là, pour moi, c'était vraiment abusé. Donc là, enfin, ils ont enfin, on va dire, rectifié le tir. Et heureusement, parce que c'était, je pense que rien qu'à cause de ça, à mon avis, il y a des gens qui ont dû être freinés pour l'achat. Parce que si on doit payer des sommes astronomiques juste pour mettre une carte noire dedans, il faut peut-être pas non plus abuser. Surtout pour l'utilisation qu'on en fait, parce que comme j'ai dit, le Canon, si on fait de la 8K, c'est derrière, on a tout le matos qu'on fait pour le lire. Là, sur la 4K 60 fps, on va dire, pas forcément besoin d'avoir un matos très très haut de gamme, quoi. Ensuite, alors le viseur et l'écran, ça reste le même. Alors ça, c'est un peu dommage parce que justement, il pourrait peut-être améliorer ça. Donc pour l'instant, ça fait, voilà, c'est pour les deux, ça reste la même chose, donc il n'y a rien qui change. Donc pour le capteur de photo, là non plus, il n'y a aucune surprise. Donc ça reste toujours le 24,5 mégapixels pour le Z6 et le 45 mégapixels pour le Z7. Donc là aussi, je pense que ça va freiner les possesseurs du Z6 et du Z7, vu que c'est le même capteur photo, déjà qu'il n'y aura pas d'amélioration là-dessus. Donc peut-être que ça peut les freiner justement de passer à la nouvelle version. Donc pour la vidéo, alors la vidéo, là aussi, pour moi, ça va pas du tout. Alors, donc les deux feront du 4K 60 fps. Alors le Z6, juste lui, ne pourra pas le faire à sa sortie. Il sera activable via la mise à jour qui sortira. Peut-être qu'il y a eu un manque de peut-être que justement ils ont un manque de développement. Donc pourquoi pas attendre. Et le Z7 le fera sûrement à sa sortie. Alors là, le vrai problème est très simple, c'est que bon, c'est sûr qu'on va dire quand on achète un appareil photo, c'est pour faire de la photo. Mais le problème, c'est que de nos jours, on est comme dans un monde où la plupart des gens qui font de la photo font de la vidéo. Donc en général, quand on achète un appareil, maintenant on fait les deux. Souvent, c'est un peu une mode de faire les deux. Surtout avec un hybride. Donc là, le problème, c'est que, étant donné que les deux appareils feront la même chose, donc peut-être pas à la sortie, mais quelques mois après, ils feront la même chose. Là, l'intérêt du Z7 perd un peu tout son sens, dans le sens où en général, toutes les marques, quand ils sortent des appareils différents, de gammes différentes, et on va dire, il y en a comme une différence entre les deux. Par exemple, on prend chez Canon, le R5 fait la 8K et pas le R6. Là, le 6 et le 7 font exactement la même chose. Donc ça justifie pas l'achat du 7. Et en plus, déjà, c'est limité à du 60 fps 4K, donc c'est un peu léger pour 2021. L'autre aussi problème, c'est il enregistre en 4:2:2, mais que via un moniteur externe. Donc ça aussi, c'est problématique parce que on voit la concurrence qui arrive à le faire en interne. C'est embêtant parce que les moniteurs, c'est bien, mais pour les appareils photo, moi, c'est un truc que je trouve très embêtant, dans le sens où si on met un moniteur externe, et dans ce cas, il faut pour stabiliser, ça va coûter beaucoup plus cher, parce que le Ronin, ça sera très limite et il faudra sûrement un Ronin MX ou quelque chose d'équivalent pour le stabiliser. Donc c'est vrai que moi, les moniteurs, je suis pas forcément super fan pour un hybride, mais bon, ça, après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Donc c'est vrai, pour la vidéo, là, c'est le problématique, c'est que justement, c'est que ça n'a pas évolué depuis leur dernier modèle. Donc c'est comme problématique de faire des nouveaux appareils, que ça évolue pas. Ça continue, bientôt les téléphones feront mieux qu'eux, donc ça commence un peu à craindre, on va dire. Ensuite, la nuit, alors le Z6 a une plage entre 100 et 50 000 ISO environ.
et le Z5 entre 64 et 25 000 ISO. Alors là aussi, c'est pour moi du grand n'importe quoi, dans le sens où le Z6 a moins de pixels, donc il prend plus de lumière, donc justement, il pourrait peut-être commencer à un ISO plus bas. Et le Z7 qui commence à 64 ISO, donc c'est bien, mais sauf que Sony commence à 50 ISO. Donc ça c'est aussi problématique, surtout pour un appareil qui coûte plus de 3000 euros. Donc aussi ils ont augmenté la détection des yeux, donc là il faudra voir ce que ça vaut comparé à la concurrence, parce que là ils étaient comme souvent en dessous de la technologie Dual Pixel de Canon, mais bon peut-être qu'ils sont vraiment améliorés, peut-être que ça peut être pas mal. La batterie a été améliorée, mais bon, en gros, on gagne qu'une dizaine de photos, donc c'est pas non plus un truc où vous verrez la différence. Hein, je veux dire, on n'est pas à 10 photos près, en général, si on change de batterie, c'est pas pour faire juste 10 photos. Et l'écran, malheureusement, est toujours que inclinable, voilà, on peut pas le bouger dans tous les sens, comme par exemple, à l'instar des concurrences, que Canon, on peut le tourner dans tous les sens, donc on peut même se voir en train de se filmer, donc ça aussi, c'est quand même un point négatif de chez Nikon. Donc, en conclusion, pour moi, celui que j'achèterais, si je devais en choisir un des deux, ce serait le Z6, car il coûte que 2200 euros, bon, ça, c'est une somme. Mais le Z7 coûte 3400 euros. Alors pour moi, le Z7 a aucune raison d'exister. Pour moi, c'est un appareil que je ne comprends pas ceux qui vont l'acheter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, à part qu'il y ait 20 mégapixels de plus, eh ben, y a quoi en plus quoi. Il n'y a rien du tout quoi. Il n'y a rien en plus comparé au Z6. Je trouve ça que ça fait cher de payer 1000 euros pour 20 mégapixels. Bon, à part peut-être que pour les fans de Nikon, mais sinon, pour moi, ils sont en dessous de toute la concurrence si on prend le Z7. Parce que, regardez, au prix de 3000 euros. Par exemple, là, vous voulez un appareil photo qui a beaucoup de pixels que pour faire de la photo. Et bien, dans ce cas, prenez le Sony AR4 qui a plus de 60. Donc, ça fait plus de 20. Et le prix, je crois que maintenant, on peut le trouver aux alentours justement des prix là, dans les 3300, 3500. On peut trouver même voire 3000 euros, ça dépend des offres. Donc là, ça vaut le coup au prix là. Parce que là, on paiera pas beaucoup plus cher et on aura vraiment aussi encore plus de 20 mégapixels en plus. Donc là, au moins, on en a pour notre argent. Donc c'est pour ça que là-dessus, si vous voulez que la photo, allez direct chez Sony, ne cherchez même pas à regarder chez Canon ou autre. Prenez direct le R4 si vous voulez que beaucoup de pixels. Le Z6, alors ce qui est bien justement, donc il a moins de pixels, donc moins besoin de lumière. Donc le Z6 justement qui a moins de pixels, donc il peut être bien pour la vidéo parce que justement on peut moins monter en ISO. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il commence déjà en ISO 100 alors que la plupart des autres commencent déjà en ISO 50, les autres hybrides. Donc ça fait déjà beaucoup et je comprends pas pourquoi. C'est peut-être justement pour pas, on va dire, vouloir faire la différence entre celui-là et le Z7. Mais ça, c'est un peu n'importe quoi. J'espère qu'il y aura une mise à jour, qu'on pourra baisser ça parce que ça, c'est à l'actuel, on va dire, ça craint. Surtout que bon, après les pixels, c'est pas forcément un choix pour la vidéo parce que bon, en vidéo, on peut toujours ajouter l'éclairage. Donc bon, ça c'est un autre débat. Mais sinon, on va dire, il vaut le prix parce qu'on va dire, allez, on va dire environ 2000 euros pour un appareil, on va dire, qui a une bonne suivi des yeux, qui fait des photos relativement correctes, qui fait de la vidéo, voilà, en 4K 60 FPS quand il y aura la mise à jour. On va dire, c'est correct. S'il y a un bon capteur et tout, ça passe, voilà, c'est pas du vol non plus. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va m'étonner, voilà, parce que pour moi, c'est pas du vol. Voilà, c'est pas un produit que sûr qu'on va se jeter dessus, mais au prix là, voilà, si par exemple, justement, vous êtes fan de Nikon et que vous n'avez pas, on va dire, d'hybride, et que vous tentez en acheter un, prenez celui-là. Parce qu'au moins vous payerez moins cher et mettez plus la différence entre les deux dans un bon objectif. Ou si justement vous voulez avoir un autre hybride, je sais pas, celui-là vous a plu, ben prenez celui-là. Mais le Z6, mais le Z7 a vraiment rien. Parce que de toutes les marques que j'ai vues, hein, de tous les appareils, c'est la première fois que je vois qu'il y a deux gammes différentes et que la seule chose qui change entre les deux, c'est le capteur photo. Parce que justement, en général, chez les autres marques, il y a vraiment des choses qui changent. Et normalement, il n'y a pas que le capteur. Il y a des fois des modes de vidéo qui changent, des modes de réglage qui changent, des avancées technologiques qui changent. Et là, il n'y a rien à part ça. Et je trouve qu'ils auraient. En fait, avec 500 euros d'écart, c'est acceptable. On va dire le Z7 en dessous de 3000 euros, c'est déprenable. Mais pas au prix là. Pas au prix là, là. Et je trouve que Nikon, en cause de ça, sont vraiment en train de se tuer parce que. Parce que maintenant, en général, ce qu'on prend quand on fait l'hybride, c'est soit on prend un Sony, soit un Canon, ou voire un Panasonic si on veut faire que de la vidéo. C'est parce qu'il y en a qui préfèrent comme Panasonic. Bon, après, c'est une question de choix pour la vidéo, ce que vous préférez. Mais on pense pas à Nikon. Là, Nikon, justement, on n'y pense plus dans l'hybride. On ne dit pas Nikon, ils font des super appareils photo. Je trouve ça dommage parce qu'en réflexe, ils étaient bons. Ils réalisaient que Canon, justement, c'était vraiment le choix lequel on prend. Ben là, en hybride, c'est Nikon. Ils sont complètement, pour moi, à la ramasse. Les seuls qui doivent acheter, à mon avis, je pense, des Nikon à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment tous les fans de Nikon qui ont commencé justement avec des Nikon en réflexe. Parce qu'à l'heure actuelle,
Quand je vois des gens qui ont des appareils photo, hein, en hybride, je vois jamais de Nikon, hein, je vois que des presque que des Sony en général. Et des fois un peu du Canon, mais je sais que la Nikon, ils ont vraiment, on m'a dit, pour moi, manqué le coche, et je trouve ça un peu dommage parce que justement Canon, qui était un peu en retrait comparé à Sony dans les derniers hybrides, et ben ils ont fait quoi? Et ben ils ont fait un hybride monstre qui a révolutionné le monde de l'appareil photo. Et ça, c'est ce que j'attendais chez Canon, et je comprends pas pourquoi on dirait qu'il y a un manque d'ambition, je sais pas ce qui se passe derrière eux. Mais si ça continue, la marque elle va disparaître, hein, parce que bah, peut-être pas disparaître, mais je pense qu'ils vont vraiment rester en retrait et qu'ils arrêtent de faire des boîtiers au prix là, ou alors qu'ils ont qu'à se spécialiser vraiment dans quelque chose, dans un truc spécifique, soit dans la vidéo, soit dans la photo, mais vraiment un truc de fou. Parce que là, ils sont en train de se faire battre par tout le monde. Et le pire, c'est que si encore c'est sur un produit, je veux bien, bon, la concurrence fait un produit de malade, et bon, sur le coup, on peut pas réaliser. Mais là, ça fait plusieurs années quand même. Ça fait plusieurs années que Nikon est vraiment la ramasse, et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, alors vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous en pensez de ces deux Nikon. Voilà, s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, si vous pensez que Nikon est aussi en train de couler, ou vous pensez que j'ai tort sur certaines choses, que justement pour vous Nikon n'est, on va dire, n'est pas la ramasse. Voilà, parce que. Et si c'est le cas, dites-moi pourquoi? Parce que là, c'est que je commence à avoir du mal à en trouver des excuses, parce que là, justement, ceux qui ont le Z6 de base, ou le Z7, je doute qu'ils vont passer à celui-là. Honnêtement, par exemple, si on a déjà le Z7, je doute qu'on mette 3000 euros pour quelques petits trucs en plus. Alors, parce que justement, si vous avez déjà le Z7, à mon avis, les cartes CF Express, vous les avez déjà. Donc là, à part une batterie un peu mieux, l'autofocus qui est mieux, mais bon, ouais, il y a rien de plus, quoi. Il y a vraiment rien du tout pour le prix-là. Donc je sais pas vraiment, en sortant ça, qui vise, quel marché vise, voilà, quel type de gens vise. Ça, je ne comprends pas. C'est parce qu'il n'y a quasi pas d'amélioration, et je comprends pas. Peut-être que. Ben après, c'est peut-être à cause des gens, parce que là, justement, Nikon ont dit qu'ils ont écouté les gens et qu'ils ont mis du port SD parce que les gens se plaignaient de ça. Alors peut-être qu'il faut que les fans de Nikon se plaignent et dire qu'au bout d'un moment, il faut peut-être avancer. Peut-être que là, si les gens se mobilisent et se disent voilà, on voudrait ça, on voudrait ça, peut-être que là, ça bougerait. Donc justement, je laisse faire ça aux fans. Voilà, si vous avez des grands fans de Nikon qui font ça, ben faites-le. Comme ça, peut-être que justement, ça permettra de révolutionner encore le marché, parce que c'est bien comme qu'il y ait de la concurrence, parce que si Canon monopolise le marché, vraiment tout va ça va être, ce sera pas positif pour le consommateur. Donc ce serait bien que Nikon se bouge un petit peu. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.